Bonsoir. Bonsoir les gens, bonsoir Julien. Bienvenue dans un comparatif qui va vous rappeler à quel point les aigus ça peut être douloureux dans votre oreille interne. C'est une spéciale dédicace Jean Casse ça. T'inquiète, tout va aller bien. Monte un peu le son, viens, viens, monte le son. T'inquiète, le son. C'est le piège, on parle comme ça tout le long. Et là, alors qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, ce rire de truand. Aujourd'hui donc, on compare les treble boosters ouais. Pour finalement, twist inattendu, se rendre compte que le FX Teacher est mieux. Oh, direct. Sachant que de toute façon, vous pouvez pas l'acheter, donc tant pis pour vous. Donc là, on a 5 treble boosters différents, et on a aussi une Fuzz Face, une Overdrive, et encore un MP Nubox. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a pris, Alex ? Qu'est-ce qui nous a pris ? Oui, on s'en va. Tu es un petit peu responsable de ça aussi, quand même. On a un double épisode où on va parler de comment maîtriser le treble booster, comment l'intégrer dans un pedalboard, parce que c'est vrai qu'à la base, tu avais raison tout à l'heure, un treble booster, c'est entre une guitare et un ampli. C'est ça. Et ensuite, on va faire un comparatif, parce que comme tu l'as si bien dit, bon, il faut la FX Teacher, mais il n'y en a que 100 et en masterclass. Je pense qu'ils ne vont pas tous venir en masterclass. Je pense Vous avez tort parce que c'est rigolo à faire. Vraiment. C'est vrai que c'était rigolo. Et puis de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je veux lâcher mon Mediator, Milka, oui. T'es adorable. Elle lâche ton Mediator, elle te le dédicace. Voilà. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et aussi, il n'y a pas que le note, il y a aussi des choses très intéressantes dans ce qu'on a ramené. Bien sûr, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un comparo pour que vous puissiez vous repérer dans, dans cette jungle du Treble Booster. Dans ce micmac. Dans ce micmac. Il y a vraiment pour tous les styles, hein, c'est open. Alors. Par quoi on commence ? On commence par l'intégration du pedalboard. Bah oui, on est. Comme tu es méthodique, j'aime bien. J'essaie de m'être méthodique. Alors vous aurez des ronflements de cicades pendant une bonne partie de la vidéo. Ouais. Ça fera une petite ambiance tonnerre, tu vois. Ouais, et puis par rapport au treble booster, ça leur rappellera que les graves existent aussi. C'est bien. Alors techniquement, on a baissé l'ampli de à peu près 4000%. Oui. Parce que sinon, on allait mourir. Parce que oui, on a tourné les autres vidéos hier soir et. C'est vrai qu'en se couchant, moi, j'avais un peu l'impression qu'il y avait des klaxons dans la rue, quoi. Il y a peut-être un match. Alors, l'intégration dans le pedalboard. Donc là, je vais être très franc et très direct avec vous. Oh non. Vous n'avez pas le choix, c'est direct après la guitare. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. À part si t'as un simulateur de pick-up. De pick-up. Mais là, c'est parce que tu fais partie des 100 élus qui sont venus en masterclass. Eh oui. Bon, donc si tu n'as pas le simulateur de micro, comme on expliquait dans la vidéo précédente. Si t'es pas un zébu. Ben, tu l'as quand même dans le baba et tu vas devoir mettre ça dès le début. Pas le choix. Faut y aller, tu mets ta guitare, ton treble booster et c'est parti. Donc, tout simplement. Est-ce que éventuellement un truc qui a aussi l'impédance sale vintage, genre une Wawa, ça peut marcher ? C'est la question. J'ai pas forcément la réponse. Alors ça, c'est justement le sujet d'une autre vidéo qu'on va avoir cet après-midi. C'est la Wawa, tu te la mets où à part de... Voilà. Parce que la Wawa et la Fuzz Face font partie de ces effets-là qui ont une impédance cracra. Et donc j'ai envie de dire, en fait, t'es obligé de tester. Ouais. Moi, comme ça, en tant que bon dictateur, je te dirais de mettre Treble Booster, Fuzz Face et ta Wawa, oui, si tu la veux, tu la mets avant ou tu la mets après, si t'as envie que ça fasse un effet de filtre ou un Q-Boost. Voilà. C'est quoi ? Ouais. Moi j'aime bien ce que tu dis parce que en plus écouter si ça marche avec un treble booster c'est facile. C'est-à-dire que la plupart du temps moi j'ai cette angoisse que vous avez peut-être aussi dans votre RER en train de regarder cette vidéo qui est certes on me dit faut tester, faut essayer différentes combinaisons etc. Mais moi comment je sais si ça marche vraiment et c'est pas faux. Voilà. Alors certes, ça me plaît, mais l'autre solution me plaît aussi. Donc qu'est-ce qui est bien ? Comment je fais ? Avec un treble booster, il n'y a pas de problème, c'est 0 ou 1. C'est hyper binaire, c'est-à-dire soit ça sonne correctement, soit vraiment ça sonne tellement comme de la merde que de toute façon, il n'y a aucun doute sur le fait que la combinaison n'est pas bonne. Exactement. Donc c'est rassurant le Germanium Boost, enfin le treble booster, le Range Master. Ouais. Si ça sonne bien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il y a un problème, vous vous rendrez compte immédiatement. Ça. Moi, je pense qu'il faut garder en tête treble booster avant Fuzz Face. Je trouve que la combinaison marche mieux comme ça. Même si tu peux essayer de les inverser,
Personnellement, par expérience, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Il y a une question de logique, c'est que voilà. Du coup, tu brutalises l'entrée de la fast face. Ça devient une Tonebender MK2 ouais. Ou une MK3. Oui, bah oui, ouais, tu rajoutes un transistor. Ça. J'adore. Bah oui, j'adore le principe. Ça devient une Tonebender MK2. Tu te construis ta MK2, quoi. Exactement. On peut essayer direct. Bah vas-y. Ça me donne de l'espoir pour toutes les pédales de tout à l'heure, quand même. Oui, t'en fais pas. Je savais pas que cette case, elle existait. Mais t'as vu, c'est là. Mais mon oreille s'en souvient. C'est la case secrète qui te pète le marteau. C'est très, très beau. Voilà. J'adore. Voilà, voilà. Il y a des fois, tu sais, ouais. On fait des sons pour la chaîne, mm-hmm. Et je me dis, mais pourquoi je joue pas tout le temps avec ce son-là ? Mais oui. Mais de toute façon, tu sais que t'aimes les Tonebender. Regardez la grande histoire de la fuzz. C'est vrai que j'adore ça, ouais. C'est pas un secret aujourd'hui. Non. Donc là, t'as la Feedme en tant que fuzz face silicium, et je te lâche plein de poils de tika sur les pédales. T'inquiète. Tiens. Le si vous commandez une pédale, il y aura probablement des poils de ticket. Et la Germanium Boost, du coup, en tant que triple booster, on a laissé les basses pour le coup. Mm-hmm. C'est plutôt en mode Range Master Full Range. Parce que celle-là, elle peut les couper si elle a envie ou pas. Uh-huh. Voilà, donc ça c'est. C'est beau comme combinaison, j'avoue. Fais une Tonebender MK2. Ouais, si tu la mets après, ça devient une MK3. Donc finalement, peut-être que ça vaut le coup de retester, de mettre la Tonebender après. Enfin, la Range Master après, pardon. Vous avez des problèmes, Alexandre. Oui, non, mais on va rester sur la MK2, c'est la meilleure. Non, la MK1 quand même. Ça va aller, ouais. La MK1, tu fais ça. Et t'as une MK1. Give this man an old bender. Regarde. Oui. Pas mal, hein. Il s'est passé, il y a eu un... Tu sais, comme dans... Non, tu n'as pas vu Nope. Non, je l'ai mais pas vu. Mais dans Nope, tu vois dans le ciel des formes qui passent derrière les nuages. D'accord. Là, on a une forme qui est passée une forme à un d'onde, moment. Un ouais, moment qui passe comme ça, qui dit coucou, je suis là. C'est bien que pour faire une sorte de MK1. J'adore. Ensuite, la Wawa, comme je disais tout à l'heure, tu peux la mettre devant. Et là, ça va te faire un effet Q-boost. Mm-hmm. Comme si t'en avais pas besoin quand tu te mettais en position médium. Mm-hmm. Et si tu la mets après, par contre, ça te fera le filtre balayage, genre je te mets les aigus, je te les enlève, et voilà. Ça, c'est question stacking, puis toujours les overdrive après, quoi. Bien sûr. Ok, voilà. Très bien. Je crois qu'on a répondu à la question. Et maintenant, on va écouter notre petit panel que tu nous as concocté amoureusement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Copper Sound. Yes, la Broadway. Copper Sound, moi j'aime bien. Oui. Je t'avais déjà raconté mon histoire d'amour de longue date avec eux parce que j'ai le télégraphe stutter. Oui, c'est vrai. Et si vous êtes un réparateur compétent, ça m'intéresse parce que je l'ai cassé. T'as vu qu'ils ont sorti une V2 ? T'as vu c'est vrai ? Ils ont sorti... Attends, mais t'as pas vu ça ? Oh là là, j'avais pas prévu d'avoir une érection devant la caméra. Alors, l'érection devant la caméra, c'est parti. Il faut que je la commande, hein. On est tout à fait d'accord. La Copper Sound Broadway, c'est une plaque de Telecaster. Oui, gros, c'est trop beau. Avec une finition de Telecaster. Là, on serait sur du faded shell pink. C'est ça. J'ai envie de dire. Et t'as le. C'est quoi ça ? C'est tortoise. C'est tortoise, ouais, bien c'est sûr. Ça, voilà. Le. Là, c'est le. Turtles, si tu veux bien parler anglais. Ouais, pardon. C'est pas mon taf. C'est le tien. Là, le potard de volume. Voilà. Et le sélecteur de micro. C'est ça. Qui a en fait du coup différents filtres pour le treble booster. Allez viens, on s'écoute ça. Attends, déjà, regarde. Oh là là. La LED quand même. Ah c'est... Ça marche pas. Ah oui d'accord. Ouais, faut y aller franchement quoi. Bah ça marche pas avec tes doigts. Ouais bah je l'ai cassé, c'est pas grave.
First is my clean tone. Toujours la Cinnamon Drive dans le Celt. Bah oui, bah, si on avait trouvé mieux, on vous dirait. Première impression, moins de gains que la Germanium Boost. Ouais. Et mais un de... très très beau gain. Ouais, 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 je suis d'accord. Moi j'aime bien quand elle fait les gros muscles. C'est ça, à gauche, ouais. De Photoshop. Ce serait la position rythmique, en fait. Hein. Exactement. Et pourtant, le treble booster n'est pas nécessairement réputé pour la rythmique. Alors, mais ça marche très bien, j'avoue. Petite précision, dans ce comparo, on n'a que des versions Germanium, il me semble, en bas. Donc, c'est comme ça que j'ai fait ma sélection. Et le Range Master n'est pas forcément treble booster. Pour ceux qui ne savent pas, à préciser, c'est pour ça que nous, le basket, on l'a fait des basses jusqu'à plus de basses. Parce qu'en fait, c'est important de noter qu'il y a eu plein de modifications où il y en a qui ont essayé d'avoir le full range, le mid boost et le treble booster. Oui. Voilà. Oui, donc là, on est carrément sur du full range jusqu'à mid boost, pas jusqu'à treble. Ok, fais voir. En différence. À voix égale. À voix égale. Genre, oui, attends, là, je te mets à fond. Voilà. Aigu ou médium un peu? Médium quand même, non? Médium un peu, vas-y. Celle-là est plus ouverte dans le haut. C'est celle-là ça. A plus de coffre. Celle-là, elle est, j'ai l'impression que quasiment celle-là, c'est la position où on a toutes les places. Ouais, c'est ça. C'est quasiment. Sauf que t'as des médiums en plus. C'est exactement ça. C'est vraiment costaud. Hein. Donc en fait, ouais, celle-là prend le relais dans les graves par rapport à celle-là. Exactement. Ouais. J'adore. Génial. Ok. Première bonne découverte. Alors la Naga Viper. Catalin Bread, déjà, ouais, j'aime bien. Ça, c'est bien, ouais. C'est toujours Catalin bien. Catalin Bread, ça me rend toujours heureux. Ouais, c'est vrai. Alors la Naga Viper, c'est un Rangemaster. Ouais. Mais avec un drive normal aussi. Heat, c'est de la saturation normale. Ok. C'est pas le fait de réchauffer le transistor. Non. Heat, non, non, absolument pas. C'est-à-dire, saturation normale, ça veut dire quoi pour toi? On va écouter. On va avoir un drive en plus, un noir drive. Je crois que c'est ça l'idée. D'accord, parce que j'ai vu un truc. Et le range lui-même, en fait, c'est pas le taux de boost. Ouais. C'est les fréquences du boost. Donc d'accord. Ça va du. Là, t'as un range master normal et là, t'as un full boost. Voilà. Bon, on écoute ça. Vas-y. C'est l'inverse par rapport à ce que je te disais, donc. C'est-à-dire? Bah là, on a full boost, oui, et là, ça. On a. Et là, on a les aigus, ouais. Super intéressant. C'est très beau. Ouais. Je serais tenté de dire plus civilisé que les deux premières. En fait, elle permet à intégrer dans avec un board normal. C'est ça. Avec guillemets. Le hit, tu peux bien régler le gain en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est vraiment bien fait. Thank you.
c'est pas ma préférée, mais c'est probablement la plus utilisable dans une config classique du lot. Elle est très réglable. Celle-là, t'es un peu obligé de tout concevoir autour. Oui. Alors que là, ça peut s'intégrer genre comme un épice ponctuel. C'est ça. Alors ça... Alors, ouais, vas-y, raconte un peu. C'est un bordel, hein. C'est un truc qu'on importe par Massdistro, dont je te parlais ce matin. Ok. On est peut-être deux en Europe à l'avoir, celle-là, en stock. D'accord. Parce que c'est des éditions limitées, genre, à chaque fois qu'il en a deux, trois, il me dit, tiens, tu les veux, Alex? Je dis, bah oui, ouais, là, c'est une collab. Ah, en plus, c'est une collab. C'est une collab... Elle s'appelle 0xEAE. Ouais, alors, EAE, c'est la marque de... Electronic Audio Experiment. Voilà. Mais alors, X, c'est... Enfin, 0, c'est Obstructures... qui est une boîte, si j'ai bien compris, qui fait des objets durables. Après, bon, petit truc à savoir, c'est dans son style, ça prend très bien les traces de doigts. Voilà, ça c'est normal. Ah oui, pas, t'as raison. C'est pas Bitoon Proof pour ça. Ouais, effectivement. Par contre, ça prend pas les traces de gland. Pour avoir essayé. Voilà. Par contre, il y a des fucking sliders. Il y a des sliders crackle ok. Il y a des crackle ok là. Et donc, pour le coup. Master, filter, gain, focus, raconte. Alors, master, c'est assez self-explanatory. Filter et gain, donc c'est l'overdrive intégré. D'accord. Et focus, c'est le treble booster avant l'overdrive. Parce qu'il y a un overdrive intégré. Voilà, il y a deux amis en fait. Vas-y, raconte. Il y a un treble master, un treble booster. Un treble booster dans un overdrive. Et on sait pas quel style c'est. On s'en fout. De toute façon, c'est le treble booster qui nous intéresse. Donc en fait, il te met la savage dedans ou autre chose quoi. Genre style. Genre, ouais. C'est ça. Ok. Vas-y, fais écouter. Et alors l'avantage, c'est que c'est très simple à intégrer à un pedalboard. Ça. Oui, regarde, on a pas eu de difficulté. Nickel. Alors moi, le petit S en vert serpentard, moi, ça me parle complètement. C'est pour toi, là. Intéressant, en fait, c'est tout notre système en une pédale. Ouais. Donc moi, j'aurais envie d'essayer ça, tu vois. En fait, c'est quasiment un MP Nobox avec Rangemaster. C'est ça, c'est un pré-ampli Rangemaster. Ça simule un ampli poussé par un Rangemaster. C'est un voicing qui est très beau, je trouve. C'est magnifique. Mais c'est, pour le coup, c'est indépendant. Enfin, c'est autosuffisant. C'est ça. Donc, ouais, si on doit résumer jusque-là, ça, ça fait des graves. Ouais. Ça, ça fait de l'aigu. Ça, ça fait tout. C'est tempéré. De façon à l'intégrer facilement à un board. Et ça, ça fait à la fois le drive et le treble booster avec un voicing qui est plutôt très joli. Donc, ok. Le superconducteur. C'est ton petit chouchou en ce moment, le superconducteur. Moi, je l'aime bien. On va rester du coup sur Range la position Rangemaster. Voilà. On a la possibilité de l'avoir fat ou pas. Ou pas fat. Et on va écouter ça. Et on peut le mettre à en 9 fond, ou en 18 volts. Vraiment longtemps. Ah non, ça c'est à droite. Ouais, c'est juste fat ou pas. Voilà. Ok. C'est ce que je disais en fait, tu vois. Ouais, c'est ce que tu disais. Moi j'ai rajouté de la merde. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est exactement ce qui s'est passé. Refais-nous écouter ton ND. J'aime pas. Ouais, je suis d'accord. C'est trop agressif là. Ouais, c'est pas ça qu'on aime sur les quatre autres. Non, pour le coup, c'est quand même bien d'avoir l'option Rangemaster là-dessus, mais je la préférais pour le côté écoplex. Qui trop embrasse mal étreint. On connaît. Électrique.
Ouais, après, si t'as du papier peint à décoller, ça peut être utile. Tes oreilles avant, je pense. Ok, on passe au bonus, parce que moi, j'ai insisté pour qu'il y ait encore plus de travel booster. Du coup, on est allé en chercher. Merci, Jean-Régis. La Oberon. Si. Ah, si. La Oberon de version 2. The Signal Shame. C'est quoi, du coup? On a un boost et trois voicing. Oui, donc des graves, pas du plus de graves, et éventuellement... Comment on va brancher deux. Ça? Bah tiens, on enlève celle-là et on ouais, lui voilà. Donc, Oberon. Écoutons Oberon. Celle-là aussi, elle a les ombres qui se déplacent un peu, j'aime les bien. Les ombres qui se déplacent. Quelque chose de l'épaisseur du Copper Sound, mais avec plus pas d'équilibre. Aussi extrême, ouais, c'est ça. Mais plus ouvert dans l'aigu et avec beaucoup plus de gain, j'ai l'impression. Fais voir par rapport à celle-ci, j'aime bien. La tienne reste plus nazi-hard. Ouais, mais elle est sympa. Ce qui plairait à Kanye West, mais moi j'aime bien. Je crois que c'est elle mortelle, qui hein. remporte le prix du viol d'ampli le plus manifeste là quand même. Tu te mets au milieu et tu mets le boost à fond et l'ampli est mort. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'on là, peut brûler lequel. En termes de niveau de boost et d'aigu, c'est un peu la patronne quoi. On achève Jean Casque. Allez. Prépare-toi, Jean-Régis. Ouf. Rien que le petit. J'ai peur. Voilà, il se passe plus rien au-dessus de 800. Aïe, j'ai un peu mal. Tiens, juste pour la science quand même, en mode grave. Ah putain. Mais Brian, t'as ouais. mis combien de décibels? Beaucoup? Je pense trop. Beaucoup, hein. C'est... Ouais. Elle est mortelle, c'est vraiment bien. Enfin, elle est vraiment mortelle. Bah, bon. Celle-là, tu vois, elle justifie sa place, quoi. Ouais. Ok, très bien. Est-ce qu'on la laisse et on enlève une autre? Je pense qu'on peut enlever la filmie. On peut enlever... Oui, on a déjà fait le stacking, voilà. Bon, la suivante. Là... On est sur comment on a dit, du hipster branloman. Ah là, oui. Ouais, là, on y est, là. Là, t'as ton diplôme de pignol suprême, quoi. Voilà. Comment obtenir ton diplôme de pignol suprême? Regarde. Voilà. Attends, je me mets bien sur la caméra. Bois d'arbre, avec une chaussette usée attends. Qui a appartenu à Janice lui-même. Écoute. Rien que ça, ouh, déjà. Rien que ça. Le bois à bois quand je bois. T'es obligé de mettre des fessées pour la sortir. Ah, elle est bien dans son bois, ouais. Là. En plus, tu verras qu'elle est habillée pour la fessée. Mais bien sûr, je connais. Oh, il y a des choses là-dedans. Il y a des goodies. Oh là là. Oh, il y a une plaque signée. Un dessous de plaque signée.
J'adore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je savais pas ça. Oh. Un dessous de plaque signé avec un connecteur de un poster, si vous avez une toute petite chambre. T'imagines, là, je prends l'autocollant. Non. Et du coup, le truc est incomplet. Ah non. Les mecs, ils seront malades, quoi. Tu tuerais un fan. Là, il serait mort. Non, 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 tu ne peux pas faire... Genre le médiateur manquant. Grave, oh, l'enfer. Là, l'enfer. J'enregistre, reçois plein de mails. Bon, allez. Stock B à 300 balles. Alors, je précise, avant de dévoiler la petite, on est sur du 400 ish. Hein. Oui, oui, t'inquiète. Voilà. T'es prêt? Ah, c'est en serveur. Oh. Tu touches, hein. La chaussette de Janice. Texture de slip de bain. Ah, regarde, on va commencer par la braguette. Ouais. Oh là 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 là. Crackle, ok. Ah oui, parce qu'en fait, tu peux dévisser les quatre vis et mettre une plaque normale. Une vraie plaque si tu veux l'utiliser. Et celle-là, tu la gardes pour te pignoler, quoi. Voilà, pour faire la pochette de Sticky Fingers, quoi. Sticky Fingers. Mais oui. Regarde dedans, là. J'adore. C'est un Range Master. Oh, c'est transparent. En point plus. To point. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah ouais. Roosters. Et dire que tu allais pas la mettre comme un con. Bah, à la base, je devais la mettre, puis tu m'as demandé la Super Conductor. Comme si c'était l'une ou l'autre, quoi. Bah, c'était soit la Oberon, soit la Roaster, je savais pas laquelle mettre. On a 800 000 pédales en stock. Ouais, mais... Et toi, t'es genre, ah oh ouais, mais ça, y a pas la place sur le board. Bah, c'est ça. Dude. Y a pas la place sur le board. Es-tu prêt? Absolument. C'est un de ces twists pourris où en fait le mieux c'est le plus cher, quoi. Ouais, on va pas dire ça. C'est super chiant quand ça arrive. Surtout que vous pouvez toutes les retrouver sur palf.fr. Ouais, mais alors là, le grain... De toute façon, il les faut toutes, non? Il est très beau, ce grain, quand même. Ouais, ouais. Je trouve ça quand même vraiment très très beau. Ils sont quand même tous très beaux. Alex. Quoi? Faut voir les choses en face. C'est la plus chère qui rend le mieux. C'est quand même la plus chère qui gagne, quoi. C'est nul, ce monde. C'est nul, hein. On est vraiment dans un putain de monde capitaliste. T'as de l'argent, bah t'as le meilleur. Voilà, c'est ça. C'est... Mais par contre, j'ai vraiment mal aux oreilles. C'est vrai? Je suis plus très objectif. Oh, bichou. Ouais, voilà. Je tiens à le dire. Mon petit bichou. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, attends, lui, on... Ouais, voilà. Hein. Lui, comme ceci. Comme ça, ouais. Parce que lui, il faisait mal. Hein. Ouais. Comme ça, c'est... Ah, mais attends, lui, il faut enlever celle-là. Ouais. Comme ça et comme ça. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. We'll be right back.
En fait, la Oberon est pas très loin de la Rooster, quand même. Carrément. Si on est honnête, par rapport à notre baguette de tout à l'heure. Ouais. Eh ben, il y a plein de belles choses. Alors, donc, ça grave, ça coin-coin et c'est ça qui est beau. Ça, très adaptable. Gentil. Ouais, en fait, honnête. Voilà. Ça, tu construis tout autour. C'est ça. Ça, violence. Violence pure et ça marche beauté. Très bien. Ouais, c'est tout bon en fait. En fait, il les faut tous. Jean-Régis qui se moque de nous. Voilà. Désolé. Il se dit, vous êtes vraiment des influenceurs. Alors, non seulement il les faut tous, ouais, comme Billy Gibbons, ouais. Il les faut tous, mais on va tous les mettre. Ah, j'avais oublié ce moment. Mm. Est-ce qu'on peut, pour notre survie. Non. S'il non. te plaît, genre. Non, tu vois, crackle not ok. Crackle not ok. Non. Non, non, là, il va falloir encaisser l'équivalent de 88 dB de boost. Dans les aigus uniquement. Voilà. Donc, si après cette vidéo, je ne peux plus faire mon travail, c'est normal. C'est qu'on aura bien fait le nôtre. Je vais vraiment, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, une astuce pour me faire protéger les oreilles sur un tournage. Je veux, alors je vous explique, peut-être que vous allez mettre en commentaire que ça n'existe pas, mais je veux entendre pareil, mais protégé. Ouais. Mais si, t'as des super protex sur mesure. Et tu peux continuer à être un hipster branloman. J'arrive plus à le dire. Est-ce que tu peux toujours être un hipster branloman avec ça? Ça marche quand même pas mal d'expérience, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bon, tu le fais qu'à une main, quoi. Allez, ça marche. On se fait le toutes les pédales, hein, y a pas le choix. Toutes les. Le clean-up est pas terrible. Oh la violence dans ce que tu viens de faire, Julien, mais tu m'as vraiment. J'ai l'impression que. Heureusement que je pouvais bouger les oreilles comparé à toi. Voilà. Oh putain, mais. Ouf. Oh là là. Eh ben, ça nous apprendra. Hein. Voilà, ne faites pas ça à la maison. Tu vas recevoir des courriers, tu sais, du ministère de la Défense. J'aime bien qu'il y en a une qui reste allumée, genre, niquez-vous. Merci et bonne semaine. Ouais. On a encore 3-4 vidéos à tourner, là, c'est ça? T'inquiète.